madame. Il peut entrer. Monsieur le baron peut entrer. Bonjour, entrez. Bonjour, André. Je vous salue et vous souris, petite reine de Paris à qui sont dus tous les hommages. Et puisque tant on vous envie, cher amour de ma vie, je veux qu'on vous envie encore davantage. C'est pourquoi j'ai choisi pour votre anniversaire ce cadeau que je joins à mes vœux très sincères. Oh, c'est un cadeau gentil, mais sans prétention. Ah. Si j'ai fait « Oh, chérie », c'est pour l'intention. Je ne m'occupe pas de la valeur des choses. Au plus beau des rubis, je préfère une rose. Eh bien, si j'avais su. Le bijou qui nous vient d'un homme riche et laid ne vaut jamais la fleur de l'homme qui nous plaît. J'admire son culot. À ce point-là, c'est beau. Moi, je ne pourrais jamais dire ces choses-là sans rire. Dès qu'on se met en commandite, il paraît qu'on s'y fait très vite. Je peux l'ouvrir? Mais oui, mais oui. Restez, restez. Vous allez voir une femme éblouie. C'est très beau. Plus que beau, dame. Elle est si jolie. Et c'est qu'elle vous aime. Oh, c'est une folie. Il prenait l'air modeste. Est-il assez moqueur? Mais c'est beaucoup trop beau pour un amant de cœur. Tu vois, voilà quel est le moyen, le meilleur, pour en avoir plusieurs et pour avoir la paix. Elle dit à chacun qu'il est l'amant de cœur. Rien au monde n'est plus flatteur et que tu vois qu'à tous, ça leur plaît. Quelles que soient les sommes qu'ils vous donnent, ça prend toujours avec les hommes. Allons donc voir un peu par là si nous y sommes. Tu crains de les gêner? Quelle discrétion! Discrète? Oh, je n'ai pas cette prétention, mais en a-t-on pour son argent? Pas plus que lui. Viens, je te jure qu'on ne voit vraiment bien les gens que par le trou de la serrure. Je croyais que c'était pour ne pas les gêner. C'est me connaître mal. Il faut me pardonner. 10 émeraudes de cabochon, c'est magnifique. Oui, et puis c'est extrêmement chic. Oui, c'est très chic et magnifique. Et c'est très beau. Mais justement, voilà le hic. Devant un tel cadeau, que vais-je dire à mon ami? Que c'est du faux, que c'est du toc. Oh, tu te moques. Est-il loufoque? Voyons, du toc. Et pensez-vous quoi? Ça, du faux? Vous êtes fous, elles ont pour du faux beaucoup trop de défauts. Elles ont des défauts. Oh ben voyons, tu penses. Pour une seule pure, il faut que tu dépenses aujourd'hui 4 fois le prix de celle-ci. Ce n'est pas un reproche. Oh là là, Dieu merci. Je te connais assez, je suis trop bien certaine que tu m'en donnerais de belles. Par centaines, si tu pouvais le faire. Et puis d'abord, pardon. De quel droit, après tout, me faites-vous de pareils dons? Être l'amant de cœur, cela vous autorise à ne faire jamais que d'aimables surprises. Et ces 10 cabochons sont 1000 fois trop beaux. Vous entendez, monsieur? Malgré tous leurs défauts. Heureusement pour vous qu'elles ne sont pas pures, car je n'aurais pas pu les prendre, je vous jure. À penser que pour moi, vous iriez vous priver. Toi que j'adore. Ah non, toi, mon bouvreuil rêvé. Mon chichnouk se priver. Ah non, ma tourterelle. Je suis désolée qu'elle ne soit pas belle. Pas belle? Taisez-vous. Si c'est très peu pour moi, dis-toi tout simplement que c'est beaucoup pour toi. D'autant qu'elles sont très amusantes. Tais-toi, je suis navrée. Tu crois que je plaisante? Regarde en transparence. Non. Oh, c'est très rigolo. On dirait que l'on voit des arbres dans de l'eau. Regarde, amuse-toi, viens près de moi. Regarde, c'est comme un mur verdâtre et vieux qui se lézarde. Celui-là, c'est un ciel étrange et nuageux avec un soleil noir magnifique au milieu. Écoute, rends-les-moi, s'il te plaît. Te les rendre? Te rendre un souvenir si précieux, si tendre? Ah, oh, mais non, par exemple. Mais il le faut. Mais pourquoi? Mon beau collier vivant, je l'aime, il est à moi. Mais bien sûr qu'il est à toi, mais je veux l'échanger contre un plus pur, crois-moi. Un autre? Eh bien, quand vous l'aurez, je vous rendrai le vôtre. Mais je m'en veux de faire ainsi tes volontés. Te rendre celui-ci que j'ai déjà porté, c'est cruel. Et tu sais, chérie, je te conseille d'en dénicher qui soit plus pur, mais pareil, oui, bien pareil au toucher. Je ne veux pas sentir de différence au doigt. Et puis, dépêche-toi, va très vite, crois-moi. Je m'y fais tellement. Pardon, tu me pardonnes de m'attacher si vite à ce que tu me donnes? Je suis folle de toi. Tu le comprends? Ah oui. À ce point-là, c'est inouï. Et l'on se voit si peu, ça c'est abominable. Quel malheur qu'il nous faille être si raisonnable. On ne se voit jamais plus d'1 heure par jour. C'est affreux, n'est-ce pas, quand on aime d'amour? D'un côté, mon ami,
de l'autre, c'est ta femme. On ne veut pas d'ennui, on ne veut pas de drame. Et l'on a bien raison, dans le fond, c'est certain. Mais ne se voir jamais qu'une heure le matin, ça, c'est abominable. Eh bien, ma toute belle, je vais vous annoncer une grande nouvelle. Paf ! Vous parliez des dangers, n'est-ce pas, qu'on y vite ? Et du chagrin de se voir mal, de se voir vite. Nul plus que moi ne les partage et je rageais d'avoir à partager mon temps entre elle et toi. Eh bien, mais écoute-moi, si la chose n'est pas définitive encore, le grand jour n'est pas loin. J'en vois poindre l'aurore. Le grand jour ? Quel grand jour ? Le grand jour que j'attends, où je m'en vais pouvoir te donner tout mon temps. Tout ton temps ? Et trop beau, n'est-ce pas ? On n'ose pas y croire. Et cependant, c'est vrai, ce n'est pas une histoire. Mais je ne comprends pas. J'en suis bien convaincu. D'un mot, tu vas comprendre. Eh bien, je suis cocu. Vrai ? Dame ? Oh ! Oui ! Toi ! Moi ! Non ! Si ! Ça ! Porte ! Chouette ! La baronne savait qu'elle était ! Quoi ? Cornette. Ah, mais non, pas du tout. Ce n'est pas par vengeance. C'est de son propre chef. Alors, tu penses ? Nous avons bien souffert, mais quelle récompense ? As-tu l'intention ? D'abord de les coincer, et puis de divorcer. Est-ce que c'est ancien ? Ça n'est pas commencé. Ça n'est pas commencé. Mais ça va commencer ! Si j'en crois la servante qui l'a trahi, le rendez-vous est pris pour 11h40. Hôtel Continental, chambre 83. Je n'ai pas un instant à perdre, tu le vois. Valentine a perdu la tête. C'était pourtant une femme honnête. Mais elle a fait une conquête en dansant le tango. Signe évident de décadence, quand les femmes ont l'imprudence d'apprendre à 40 ans la danse avec des jouvences. Je ne connais rien qui soit plus affligeant que ces jeunes gens, surtout quand ils dansent bien. Quand ils dansent mal, au moins ils s'amusent bien. Et puis enfin, ils ont l'air d'être au bal. Est-ce nécessaire, quand on sait bien danser, de prendre un air tellement angoissé ? Les spécialistes, ceux qui dansent très bien, puisqu'ils dansent bien, pourquoi qu'ils sont si tristes ? Mais occupons-nous de Valentine, tâchons de pincer la matine, puisqu'elle est devenue libertine en dansant le tango. Mon âme est toujours très chagrine quand je m'éloigne, ô ma divine, mais grâce à Dieu, tu le devines, on se reverra tantôt. Mon âme est toujours très chagrine quand je m'éloigne, ô ma divine, mais grâce à Dieu, tu le devines, on se reverra tantôt. Vite, le téléphone pour une chose capitale. Voilà, je vous le donne. Oh,